Le Kurdistan, base arrière d'Israël contre l'Iran. C'est ce qu'affirme le Sunday Times dans ses colonnes. Le journal affirme que les Israéliens y ont installé une base permanente qui servirait à mener des opérations d'espionnage sur le sol iranien. Des opérations dont l'objectif consisterait à surveiller certains sites nucléaires et apporter la preuve que Téhéran poursuit bel et bien un programme à des fins militaires. Pour y parvenir, des commandos israéliens seraient donc stationnés au nord de l'Irak, tout près de la frontière iranienne. Ils utiliseraient des hélicoptères de transport Black Hawk pour s'infiltrer, mais également des véhicules et des uniformes aux couleurs de l'armée iranienne. Dans le même temps, Barack Obama semble prêt à durcir le ton vis-à-vis de l'Iran. La fenêtre de temps pour une solution diplomatique se referme, a prévenu dimanche le président américain.